Bonsoir à toute la communauté Total War qui me regarde en ce moment. Donc, nous avons vu dans l'épisode précédent la prise de Rennes et de Bordeaux, la crise économique qui touche le royaume de France, et aussi donc l'aide des Juifs avec un fort taux d'intérêt, l'excommunication de la France parce que nous avons comme priorité de bouter les Anglais hors de France. Et donc maintenant on va essayer de prendre Angers. Ça ne va pas Mon être une roi, chose facile. On je va faire un continuerai de siège là. long. Comment puis-je vous servir, mon roi? Où devons-nous frapper? Oui, mon roi. Oui, Même mon si roi. on va perdre le Oui, saut, nous mais au partons. moins on sera sûr de prendre cette ville. Prêt à servir. Donc là, on va faire fin de tour. Ah, les Anglais dégarnissent. Ils ont peur des troupes de Bordeaux? Ce serait bon. Nous pouvons aussi prendre Caen pour éviter qu'ils puissent s'enfuir. On va prendre Caen, oui, plutôt. Parce que Angers, il y a quand même beaucoup de troupes. On va laisser quand même Angers sous surveillance. Avec une grosse armée, mais au moins regarder s'il y a du mouvement et intervenir au cas où. Et on va prendre Caen. Enfin, là où il y a le moins d'hommes. Pour éviter d'avoir des pertes inutiles. Donc, le dauphin Louis a une femme. Ok, on s'en fiche, on s'en fiche. La première question. Quel revêtement pour une fois. Et nous sommes positifs. Oui, Seigneur. Donc, avec discrétion, voir Seigneur. Quand. Ah, il y a beaucoup moins de troupes. Personne ne le reverra. Là, histoire de l'entraîner un peu. Voilà. Yes. Oui. Où devons-nous frapper? On va dire yes. Combat des Anglais. Oui. Donc. Groupe oui mon roi pour le prochain en route, tour. Seigneur. Vos ordres. En route. Oui. Nous rejoignons le gros de l'armée. J'envoie Tancred dans le son juste pour prendre en fait le duc de Bretagne moins 2 en loyauté. Bon, on va le laisser à l'autre. Hein. Où devons-nous frapper? En route. Envoyer des généraux qui sont déloyaux. Donc, on va le surveiller, le duc de Bretagne. C'est un honneur, seigneur. Pour éviter les traîtrises. Oui, tout de suite. Donc, on envoie le diplomate au sud, puisqu'au nord, ils veulent catégoriquement aucune. Comment puis-je vous servir, mon roi? Commercial, donc, très bien. Tant pis. Maintenant. On va voir la situation financière. Donc, ça coûte des armes. Ok. Ça coûte 200 quand on est. Ok, dans une armée comme ça. Donc là, je paye 200 de moins parce qu'il y a le général là-bas. 500 quand on est en terrain ennemi. Il n'y en a pas. Plus coup dans les terrains ennemis. Donc ok, l'espion 500. Ok, 2000. Le siège coûte extrêmement cher. On est presque en dépression. Ce serait bien qu'on soit en boom. Donc voilà.
pas d'autres agents, il me semble. Donc on va faire fin de tour. Hein. Et après, nous allons prendre Caen. Sauf si il y a de nouveau beaucoup de troupes. Une chose est sûre, mon espion a intérêt à bien réussir sa mission. Pour éviter de payer 2500 de pièces pour mes armées. À cause du siège et pour le fait que la deuxième armée va être à côté. Moi je dis que c'est les rebelles qui payent beaucoup. Hein. Avec toute leur armée partout, parsemée. Ça va être négatif depuis énormément de temps. Donc, on y arrive. Les rebelles. Voilà. Ah. Les marchands viennent. On gagne beaucoup plus d'argent grâce au marché. Les routes sont refaites. Ah. De bonnes nouvelles pour l'économie. Guillaume a un fils et un nouveau Capétien est né. Ça va, on se développe. Ça c'est mon bon. Roi, je suis donc, en route. Ah ouais, quand même lui. Donc 64%, non. Plutôt continuer à se développer. Voyons là, ce qu'on voit qu'on est en train de remonter. Et en attendant, mon espion va se développer. Ah ouais, quand même. Beaucoup de troupes ici. Vous répondrez à la justice après un loyal fort, combat. Même, si on peut fort les Anglais. Donc, Pipin. C'est un carrière de gouvernement, de gouverneur. Il s'éteint sur le commandeur. Gouverneur. Mais il faut bien vérifier. Hein. Le gouverneur doit être dans les villes et les commandants dans les châteaux. Donc ben, il va attendre. Il n'y a pas la possibilité de faire des bâtiments. Les Allemands sont sur mes terres. Oui, mon roi. Donc. Oui, seigneur. Oui, tout de suite. C'est un honneur, seigneur. Très bien, seigneur. Donc. Oui, un honneur. Voilà. On achète des troupes, on en a besoin. Voyons voir la situation. Voilà, ça y est, on a une situation normale d'économie. Enfin, c'est ce qu'il dit, non, je pense que ça va vite dégringoler une fois de plus. Donc, fin de tour. Les Flamands sont-ils en guerre contre les Anglais? Je n'ai pas remarqué. Je vais regarder ça tout de suite. Non, ils sont pas du tout en guerre, non. Non, ça c'est les, c'est pas les Flamands. Donc non, ils sont pas en guerre. Donc. Donc, quels sont les événements de cette
traité. Donc, il y a un chapitre de Templiers. Ça coûte un peu cher, je refuse. Mais il n'y a rien d'autre. Juste en croissance. Juste. Où devons-nous frapper ? Donc. Mes yeux sont les vôtres, maître. On va pas prendre camp, en fait, vu que les troupes sont entraînées. On va prendre Angers. Je m'approche furtivement. Est-ce qu'il rentre ? Nous allons voir la vidéo. Pour laisser du suspense. Donc déjà le coup du buisson c'est vachement discret. C'est comme le coup du carton dans Metal Gear Solid. Et il a réussi. Le buisson a marché. Donc voilà. 40% de chance. Moi je dis la dernière fois, il y avait 48% de chance aussi je crois, il me semble. Chance sur 3 plutôt. Réussir là, c'est presque une chance sur 2. Je vais tenter. Oui, mon roi. Je pense que c'était avec mon... Seigneur. Je regarde juste 6 km. Un honneur. Attaquant. Donc, attaquant. Sa femme est française. Je viens de remarquer d'ailleurs oui, que Guillaume de Lyon est un gouverneur. C'est tant pis. Oui. Lui, c'est un général. Donc, oui, ça va être Pierre qui... Oui, nous allons les anéantir. Vous régnerez bientôt sur ces terres, mon roi. On va faire... Cessons cette attente et prenons leur mur. Nous approchons de nos victimes, seigneur. Voilà. Ils sont prêts à servir. Enfin. Oui. Même dommage. Gloire à notre roi. À l'attaque. En position de siège, mon roi. La ville plus facilement. Voilà. Ils ne tiendront pas longtemps, mon roi. Donc, à l'intérieur, il y a quoi ? Beaucoup d'infanterie. Très peu d'archers, c'est bizarre pour des Anglais. Ils peuvent tenir 8 tours, mais moi, d'un point de vue économique, je ne peux pas tenir 8 tours. Donc, notre émissaire. Mon roi. Oui, seigneur. Je fais une halte ici, seigneur. Voilà. Je poursuivrai ma route demain, seigneur. Espagnol, au prochain tour. Donc, maintenant, on peut passer le tour. Et nous allons faire la bataille de la prise d'Angers. Elle sera difficile. Les Saint-Denis vieillent sur nous. Prendre Angers, ça me permettrait de gagner de l'argent grâce au commerce entre Rennes et Paris également. Ce sera un grand pas pour la victoire contre l'Angleterre. Donc, normalement on est négatif. J'aurais pensé qu'on en prend mon argent. Donc, ok. Les marchands sont partis. La modernisation touche quand même notre pays. Là, c'est de nouvelles routes. Donc, on va tout de suite envoyer... Oui, seigneur. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, seigneur ?
Nous n'acceptons cette proposition. Notre entrevue est maintenant terminée. On va revenir au portugais maintenant. Oui, tout de suite. Oui, seigneur. Non, ce n'est pas possible, seigneur. Oui, tout de suite. Donc... Voilà. C'est de 5000. De 4000 pour mes armées. 500 pour mon espion. 300 pour mon diplomate. Mais après... On n'est pas quand même en catastrophe. Donc, prise de Angers. Seigneur. Je vais choisir l'armée que je préfère jouer. Seigneur. Donc, voilà. Où devons-nous frapper? Oui, mon roi. Seigneur. Seigneur. Je vais jouer l'armée de Guillaume de Lyon. Oui, seigneur. Nous nous apprêtons au combat. Ah. Il n'y aura pas besoin de bélier. L'espion fait son travail. Donc. Gloire au roi de France ! Attaquez ! À la bataille. C'est bizarre, là. Le chevalier à droite, une sorte de manteau qui fait un peu boyard ou hussard. Voire même la grand-mère russe qui est du début du siècle dernier. Enfin, c'est bizarre. Donc. Voici Angers, une ville française normalement. Elle va le redevenir ce soir. Unité, garde du corps du général. Donc. C'est le même fort qu'à Bordeaux. Donc c'est une boucherie. Cette fois-ci, je vais plus forcer sur ce flanc quand même. Ça c'est fait. Maintenant on va mettre les échelles ici pour qu'on puisse cette fois-ci prendre la porte, les tours plus rapidement. Quoique non, c'est vrai, on a les portes. On va faire un rush avec l'infanterie de corps à corps. C'est les archers qui vont prendre les échelles pour monter rapidement sur les murs et tirer. Non, non, en fait, non, trois échelles, excusez-moi, j'ai des problèmes, c'est pas grave. Donc,
façon, le tireur il doit être un peu dispersé sur chaque mur. Avancez. Donc voilà. Très bien. Notre espion a ouvert les portes. C'est le moment d'attaquer. Les portes sont ouvertes ou non? Ralliement, juste pour le fun. Carry en retrait. Les alliés en face. Ils rushent aussi. Ils ont pas de porte. Ils ont pas de porte. J'ai cru qu'il y avait une porte déjà là-bas. Bon, ça va se précipiter par cette porte. Capturer tout. Sont ouvertes normalement. Nous ouvre les portes. Les Anglais qui sont sympas. Hein. Donc, nos soldats ont prouvé leur valeur. Nos hommes dressent leurs échelles contre les murailles. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Déjà, tous les morts qu'il y a eu à Bordeaux pour la prise du mur, on les enlève. On est déjà pris le mur. Montjoie Saint-Denis, nos tours de siège sont devant les murs ennemis. Grand joie alors.
ennemi qui fuyait. En effet. D'avoir plus de troupes de notre côté, comme ça, en face, on perd encore plus de morale. Nos tours de siège ont atteint les murailles. Il est temps de nous rougir les mains. C'est que les bleus c'est les nôtres, les rouges c'est les méchants. Comme d'hab, c'est toujours le rouge méchant et les plus gentils. C'est des communistes. Je sais, c'est une blague anachronique et je fasse sourire certains de mes amis. Extrêmement bien, hein, la bataille. On va continuer le rush là-bas. Le général. Garde du corps du général. Garde du corps du général. Prends le corps général. Prends le corps général. De Lyon, je prends Lyon. Dégagez-vous! Thank you.
donc les ennemis ont du mal à se tenir. Donc on trouve quand même un peu que nos tireurs. La bataille tourne à n'en pas douter en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Bien que les arbitres tirent sur l'ennemi et pas sur notre cavalerie. Donc, on avantage pour le mieux. Puisque gauche, c'est le paysan. J'ai mon tour. Feu. Flèche enflammée et on roule. C'est donc ce que j'ai en position. Donc ça va. Pour un rush, je pense que ce n'est pas vraiment beaucoup de morts. Pour le nombre de morts qu'il y a en face. Le problème, c'est que mes troupes n'ont presque plus de morale. Il y a un régiment qui trouve quand même le moyen de ne rien faire en premier. Servir ton droit civique, ton devoir civique. Donc, j'espère qu'il y a plus d'archers dans la tour.
conseille, ce que je comprends. Prendre là. T'offre une protection, mais bon. Prendre 3 heures à monter. L'ennemi est décimé de moitié. Donc, nos archers vont changer de cible. Le général ennemi est mort. Que l'enfer accueille son âme. L'enfer ne voudra pas son âme. Donc, nous gagnons la bataille. Je vais mettre en avance. Donc, on va mettre. Thank you.
Messire, nos forces sont réduites de moitié. Il y a encore des troupes au mur. Donc les Anglais sont toujours là. Trop nombreux mais on n'arrive pas à dégarnir. Les troupes en face ont plus de points de plus au cœur. Et bon, la fuite. Bon, je vais Marchez ! Enflammez vos projectiles ! Nos hommes sont en passe de gagner. Continuons ainsi et l'ennemi sera vaincu. Arbalète !
Ils n'ont plus de morale. S'ils cherchent à tout nous apitoyer, ils vont peut-être comprendre ce monde. Donc, ils ont pas de morale. Ils sont encore trop sur leur place forte. Ils sont trop proches. Plus on attend, plus c'est de mort. C'est pas là. Espèce. Et bien ça, on peut en avoir. Ils sont tellement éparpillés. Donc, on fait une petite finale. Non, les Anglais vont pas s'exister. Donc, ils sont encore une quinzaine. Joie Saint-Denis, nos hommes ont pris le contrôle du château. Voilà. On ne laisse pas de témoins. La chrétienté sera impressionnée par cette victoire. Comme pas celle de Bordeaux. C'est rentable. Donc, nous avons gagné avec les morts. Bon, on a assez d'hommes pour prendre Caen. Enfin, c'est vite vu que eux, à Caen, ils sont très expérimentés. Mais nous avançons un grand pas pour, sur le chemin de la victoire contre les Anglais. Et ils seront bientôt boutés hors de France. Donc, la victoire est nôtre en ce jour. Une noble victoire. Oui, Seigneur. Voilà. Je suis en route. Mon espoir là pour pas qu'il coupe. Je repartirai demain, Seigneur. On va remonter un peu.
Donc, nous verrons au prochain épisode capture de camp. Si c'est avec succès. En fait, petit récapitulatif, on a juste pris Angers et on a ressorti. On est ressorti un peu de la crise économique. Donc au revoir et à bientôt.